Bienvenue à tous sur Medi 1. La culture et le tourisme sont au cœur de cet entretien. Le festival international Climbier Beach du Royaume d'Assini, prévu du 9 au 15 août, est le sujet de cette émission. Nous en sommes à la 31e édition cette année. Quel est l'impact de ce festival sur la culture, le tourisme et l'économie ivoirienne? Les réponses dans cet entretien. Nous recevons le prince Mossou Ignace Niamke. Il est le commissaire général du festival. Bienvenue à vous. Bonjour, merci à Medi TV. Au cours de ce festival, le royaume d'Assini est à l'honneur. Quels sont les attraits touristiques du royaume d'Assini? Ou du moins, qu'est-ce qui fait la particularité de ce royaume? La particularité d'Assini, c'est d'abord son histoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire retient que la première terre d'accueil de l'homme d'Occident, ici en terre de Bénin, ça a été d'abord Assini. Le premier royaume, selon l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est le royaume de Blessivena, le royaume Essouma, le royaume d'Assini. Et le premier royaume avait envoyé un originaire de dit royaume en Occident, c'était Assini, donc par le prince Luyanyaba, et également il était accompagné de Banga à l'époque. Donc ça, c'est l'histoire d'Assini. Et donc cette histoire est particulière, cette histoire est fait d'Assini une destination mythique, et voilà, le premier qui a envoyé un de ses ressources en Occident. Également, au plan naturel, nous avons des atouts touristiques majeurs, et nous avons un climat qui est particulier. Nous avons le plan d'eau lagunaire qui est exceptionnel et particulier également. Nous avons la chance d'avoir des sceptifs hôteliers historiques qui sont liés à l'histoire de la Côte d'Ivoire même depuis les Sieto de l'époque des années 70 et compagnie jusqu'à ce jour. Et nous avons cela comme particularité, la passe qui est exceptionnelle à Assini. Et tout cela mis ensemble, l'histoire, les atouts touristiques, notamment les réceptifs hôteliers, le climat qui est particulier et la lagune, la mer et tout ce qui se croise au niveau de la passe, ça fait un surplus. C'est cela, et depuis des années, tous ces attraits, toute cette particularité se retrouvent dans un festival. Nous sommes à la 31e édition de ce festival, mais ça veut dire qu'il y a eu 30 éditions. Qu'est-ce qu'on tire de ces expériences passées? On tire de l'histoire du festival la leçon suivante, c'est qu'à l'origine, on a commencé un petit événement et ce qui se déroulait au niveau de la passe. Et des années plus tard, avec des critiques des uns des autres, on a compris qu'il y avait nécessité d'agrandir les choses et de tirer davantage profit des atouts naturels que nous avons, de notre histoire et tout le reste de notre tradition, pour faire de cet événement un événement majeur qui puisse compter au plan national et voire international. C'est ainsi que de 2 jours de manifestation, nous sommes passés à 3 jours et de 3 jours, nous sommes passés depuis environ 5 ans à une semaine entière. Et notre objectif, c'est d'arriver au moins à 10 ou 15 jours de festival plein, de sorte que tous ceux qui vont vers Assini pendant cette période-là trouvent pour leur compte, que ce soit au plan culturel traditionnel, moderne, en matière de sport, et gastronomie et tout le reste, que chacun trouve son compte en allant à Assini. D'accord. Pendant près de 5 jours, vous allez accueillir des milliers de festivaliers, des touristes, beaucoup de personnes. Ces personnes qui viendront, à quoi est-ce qu'elles doivent s'attendre en termes de menu, de contenu? En termes de contenu, d'abord, de façon naturelle, nous avons donc le cadre de l'événement qui est un cadre naturellement adéquat. Nous avons la forêt classée qui est juste à côté de Ngadangada. Nous avons la lagune, la mer, donc pour cadre également, nous avons des réceptifs hôteliers de premier plan. Nous avons les destinations de prestige, vous avez tout ce qu'il y a de réceptifs de qualité à Assini. Donc vous allez avoir un cadre idoine pour passer un bon séjour. Au-delà de cela, vous avez le contenu même du programme, à savoir tous les groupes de danse de la région auront un cadre pour donner une prestation optimum. Et nous avons également des artistes en herbe qui auront donc la possibilité de s'essayer. Nous avons des représentations théâtrales pour ceux qui aiment cet art-là également. Nous aurons également donc un pan de notre histoire qui sera raconté. Nous aurons à proposer de la nourriture moderne, mais également la nourriture de notre terroir. Nous aurons également à faire ressortir des symboles importants d'Assini. Quand nous allons vers la fin du programme, notamment vers le samedi, qui est la journée solennelle où nous recevons les officiels de tous bords, les officiels, disons, du monde moderne, donc l'administration moderne, nous recevons également l'administration traditionnelle. Donc toutes les têtes couronnées, donc des 16 localités traditionnelles du royaume d'Assini seront là. Et encore une fois, pour démontrer notre unité
au travers de cette manifestation avec la sortie du roi, avec les 16 têtes couronnées du royaume d'Assini qui viennent soutenir le roi, les 7 clans Essouma qui composent donc le peuple Essouma également, qui apportent de la nourriture pour recevoir tous ces autres-là. Ce sera le coup de la manifestation donc le samedi, avec le grand tam-tam, le tam-tam dit royal, et donc on appelle ce nom Edoubou, qui sera là également, parce que c'est ce tam-tam-là qui sort seulement pendant les grands événements. Donc le festival, c'est l'occasion pour le roi de sortir, ne serait-ce que de façon exceptionnelle, avec tout apparat qu'il faut, une fois par an. Et justement, pour la sortie du roi, quel en est le sens? Le sens, le roi, quand on l'intronise, comme on dit chez nous, le roi, il ne meurt pas. Le roi, il est le représentant de Dieu sur la terre, et donc un Dieu ne saurait mourir. Et donc, quand un roi meurt, on dit chez nous qu'il est allé se soigner, il revient rajeuni. Et donc, le roi suivant continue le règne, d'où le même nom qui continue, Fiamosun 1, 2 et 3. Donc, Fiamosun est dans sa nouvelle version. Et de sorte qu'il ne sort que de façon vraiment très occasionnelle. Et cette fois-ci, quand il sort, vu que tout le peuple est réuni, les 16 chefs sont là, et les 16 chefs reçoivent des invités de marque. Oui. Il faut que lui-même il soit au milieu de ces invités-là et qu'il voit défiler devant lui ces chefs guerriers, les 7 clans qui forment le peuple Souma. C'est un symbole d'unité, c'est tellement fort. Il faut que nécessairement, il faut voir cette sortie-là pour comprendre à quel point la tradition nous tient encore à Séné. D'accord, vous avez parlé également d'un tam-tam qui ne sort qu'au cours des grandes occasions. Oui. Pour les profanes, les personnes qui ne s'y connaissent pas, quel est leur regard? Qu'est-ce qu'elles doivent apprendre? Ce tam-tam-là, c'est le plus grand tam-tam du royaume. Et ce tam-tam, on dit, c'est le tam-tam royal. Le tam-tam royal, parce qu'il y a de petits tam-tam, de petites danses. Et il se danse avec des règles bien précises. Et il sort à des événements vraiment exceptionnels. En cas de guerre, nous sommes en période de paix. Quand nous sommes en période de paix, il sort quand il y a un deuil important, un deuil qui frappe un membre de la famille royale notamment. Mais en dehors de ces occasions-là, il sort quand il y a une grosse célébration. Et il sort quand toutes les petites danses ont déjà fini, parce que le roi vient toujours en dernier. Et vous voyez, quand on s'installe dans une cour, il y a des gens qui sont devant. Le roi est au milieu ou alors derrière. Ça veut dire que le roi il est toujours protégé. Comme au jeu d'échecs, le roi il est le plus protégé. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Le grand tam-tam, il vient en dernier. Et quand il vient, il n'y a plus d'autres célébrations. D'accord. Dans le programme, il y a un pique-nique géant que vous faites chaque année. Oui, le pique-nique géant, on a dit, quand on est enfant, qu'on prend un remède qui est difficile à avaler, on doit l'enrôler avec du sucre. Et donc, quand on invite les jeunes gens à la tradition, il faut leur donner des choses modernes. Pendant l'année aussi, plusieurs personnes ont la possibilité d'aller sur les plages d'Assini. Mais ce n'est pas permis. Très souvent, on dit que tout le monde ne va pas à Assini dans des conditions idoines. On va avec un petit magnétophone et tout le reste. Nous voulons faire les choses comme il se doit, avec la sécurité qu'il faut et avec des artistes de qualité qui viennent pour le pique-nique géant. Au lieu que ce soit des petits pique-niques de famille, cette fois-ci, un pique-nique ouvert public, offert par le comité royal Essouma, qui est l'émulation de la cour royale d'Assini. Et donc, à ce pique-nique géant qui est donc le troisième concert gratuit que nous offrons chaque année, parce que le vendredi, nous offrons un concert gratuit avec l'aide des différents partenaires. Et le samedi, nous offrons également un grand concert gratuit. Et le dimanche, c'est le seul concert qui est payant. Et contribution symbolique, ne serait-ce que pour assurer les frais d'infrastructure, logistique, les coutures. Nous devons louer des grands bateaux comme il faut, dans des conditions comme il se doit, pour éviter les petites barres qui peuvent se renverser. Nous mobilisons la sécurité maritime, et les affaires maritimes et des unités de sauvetage et tout le reste. Et donc, une contribution symbolique pour aller avoir accès à la plage et voir passer les meilleurs artistes du moment, comme on dit en Côte d'Ivoire. Pendant une année, nous passons le temps à sélectionner les meilleurs artistes sur les différents et ces artistes, nous les donnons rendez-vous à Séné pour le public. D'accord, le Climbier Festival Beach est devenu international. Quelles sont les perspectives après l'édition que vous organisez cette année? Nous allons pousser toujours dans l'international. Nous faisons une semaine entière. Notre objectif, c'est d'arriver à 15 jours plus tard et possiblement un mois entier consacré au festival. Et à l'avenir, nous avons l'intention d'arriver à des jumelages avec des festivals, des carnavals même dans d'autres pays dans le monde. Nous sommes en discussion avec quelques pays dans ce sens. Et nous privilégions
les destinations où il y a des royaumes, notamment parce que nous sommes quand même tout petit royaume dans une république. Et donc, nous privilégions des destinations de ce type-là. Ça fait un peu plus exotique. Et puis, et si nous avons, nous aurons certainement des années à venir à conclure des accords importants. Et vous verrez que, et comme nous l'avons fait par le passé avec un roi venu du Bénin, nous avons fait également avec une tête du Nigeria, nous envisageons de dépasser le cadre, peut-être l'Afrique noire, aller à l'Afrique du Nord et peut-être même en Asie. Et D'accord. avoir des invités qui viendront avec des danses de leur localité et de leur terroir. Merci, Prince Mosounia Senyamke. C'était Je vous. rappelle que vous êtes commissaire général du Climbia Beach Festival. Avec vous, nous avons parlé de ce festival qui a lieu dans quelques jours. Merci d'être passé sur notre plateau et surtout d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.